Bonjour, je m'appelle Cédoyen Thomas du groupe Afrique Suprême sur Facebook. Bienvenue sur la chaîne Afrique Suprême sur YouTube. J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui la falsification de l'Égypte ancienne. La partie que je vais vous présenter va vous mettre sur le chemin, mais aussi vous permettre d'élucider certains mystères. Mais avant de commencer, je tiens à préciser un fait. Les anciens Égyptiens étaient un ensemble de population très méticuleuse, qui tenait à conserver des informations sur tout. Donc, lorsque vous rentrez dans les tombes des anciens pharaons, vous avez ce qu'on appelle les tables des nations. Les tables des nations sera la représentation des populations qui existaient à l'époque de tel ou de tel pharaon. Ces populations vont toujours apparaître dans un ordre précis. Maintenant, l'ordre d'apparition n'a pas de valeur précise. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'une population est apparue avant une autre que cela veut dire qu'ils sont plus importants ou moins importants que les autres. Pas du tout. C'est juste que les anciens Égyptiens vont choisir un ordre précis par lequel ils vont représenter les populations qui existaient et c'est cet ordre qu'ils vont conserver du début à la fin de l'Égypte ancienne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la table des nations qui est correcte et juste et ensuite nous allons la comparer avec les tables des nations que nous pouvons retrouver dans certains livres sur l'égyptologie mais aussi sur certains sites qui parlent de l'Égypte ancienne. Car une fois que nous aurons compris l'importance de la table des nations et sa signification, alors nous pourrons comprendre comment est-ce que les Arabes et les Européens avaient commencé à falsifier l'Égypte ancienne. Nous allons donc commencer avec cette image parce qu'elle est l'une des toutes premières images à avoir été falsifiée par les Arabes et les Européens. Cette image est ce qu'on appelle la table des nations, c'est-à-dire la manière dont les anciens Égyptiens vont se représenter. Plus particulièrement, cette table des nations fut retrouvée dans la tombe du plus grand pharaon de l'Égypte ancienne, qui s'appelait Massiré II, mais que les égyptologues européens appellent Ramsès II et que d'autres appellent Ramessou. Nous allons donc utiliser la table des nations de Massiré II comme référence afin de mettre à jour la falsification de l'Égypte ancienne. Le premier personnage tout à gauche est un Kamite, c'est un ancien égyptien. Le deuxième personnage est un Namou, c'est-à-dire un nomade ou un asiatique. Le troisième personnage est un Nubien. Mais c'est aussi le personnage que les anciens Égyptiens vont utiliser pour représenter le reste de l'Afrique. Et le quatrième personnage est encore une fois une population étrangère à celle de l'Égypte ancienne. Donc, il y a 3000 ans de cela, à l'époque de Massiré II, encore appelé Ramsès II par les Grecs, voici les populations qui côtoyaient l'Égypte ancienne. Comme vous pouvez le constater de vos propres yeux, sur cette représentation, il n'existe aucune différence entre l'ancien Égyptien représenté tout à gauche et le Nubien, c'est-à-dire le reste de l'Afrique, représenté en troisième position. Mais avant d'aller plus loin, nous allons d'abord vérifier la véracité et l'exactitude de cette table des nations en la comparant avec une autre. Sur cette nouvelle image, nous avons deux tables des nations. La première, celle qui est en haut, provient de la tombe du pharaon Massiré III, encore appelé Ramsès III par les égyptologues européens. Et la deuxième image, celle qui est en dessous, provient de la tombe du pharaon Massiré II, encore appelé Ramsès II par les égyptologues européens. Si vous observez les hiéroglyphes utilisés pour représenter le premier personnage, c'est-à-dire l'ancien égyptien ou le Kamite, et que vous comparez ces hiéroglyphes avec ceux qui représentent les anciens égyptiens dans la tombe du pharaon Massiré III, vous pourrez constater de vous-même que les hiéroglyphes sont exactement les mêmes. À partir de cet instant, nous pouvons être sûrs de deux faits. Le premier fait est que la table des nations retrouvée dans la tombe du pharaon Massiré II est correcte et juste. Et le deuxième fait est que la représentation physique des anciens Égyptiens et aussi des Nubiens ou le reste de l'Afrique est exactement la même selon les différentes époques. Maintenant, nous allons observer les différentes tables des nations qui sont utilisées dans les documentaires sur l'Égypte ancienne mais aussi sur certains sites internet pour falsifier l'histoire de l'Égypte ancienne. Sur cette image, nous avons deux tables des nations. Nous avons la première table qui est correcte et nous allons observer la deuxième. Avec la connaissance que nous venons d'acquérir, nous pouvons voir tout de suite que la deuxième table est une falsification, tout simplement parce que nous avons un personnage de couleur blanche qui représente les Européens qui apparaît en premier avant les Nubiens ou le reste de l'Afrique. Donc le but de cette fausse table des nations et de faire penser que les Européens sont arrivés avant le reste de l'humanité. Donc, étant donné que l'ordre n'est pas respecté, nous pouvons affirmer que la deuxième table des nations est une falsification, en plus du fait que
l'apparence physique des anciens Égyptiens est complètement différente de l'apparence physique des Nubiens ou du reste de l'Afrique. Voici ici une autre table des nations retrouvée sur un site internet très populaire sur l'Égypte ancienne. Et comme vous pouvez le constater encore une fois, l'ordre d'apparition des personnages n'est pas respecté, mais en plus de cela, l'apparence physique des anciens Égyptiens et des Nubiens sont complètement différents. Donc nous pouvons conclure que cette table des nations est encore une fois une falsification. Sur cette nouvelle image, nous avons une table des nations retrouvée dans un livre sur l'égyptologie. Comme vous pouvez le constater, l'ordre d'apparition des personnages n'est pas respecté. Mais en plus, l'apparence physique du premier personnage qui est un ancien égyptien n'est pas respectée. Car le but de cette image est d'assimiler l'Égypte ancienne au reste de l'humanité et d'isoler l'Afrique noire. Ce qui va donner l'impression que les populations de l'Égypte ancienne et de la Nubie étaient complètement différentes, alors qu'en fait c'était le contraire. On avait affaire à la même population. Sur l'image qui suit, nous pouvons voir la falsification à grande échelle. Les personnes que vous avez en face de vous sont des peintres. Officiellement, ils sont supposés peindre les fresques de l'Égypte ancienne afin de leur donner leur éclat datant. Mais non officiellement, leur travail sera de blanchir les personnages de l'Égypte ancienne afin de les rendre moins foncés ou moins africains. Cela a pour conséquence, depuis que les terres de l'Égypte ancienne sont entre les mains des populations arabes, d'apporter une grande confusion sur la connexion qui existe entre l'Afrique noire et leurs ancêtres de l'Égypte ancienne. Sur cette fresque, nous pouvons voir les conséquences du blanchiment. À gauche, nous avons la fresque avant son blanchiment, et à droite, nous avons la fresque après son blanchiment. Sur cette image, nous avons la fresque originelle qui est en haut, avant le blanchiment, et en bas, nous avons la fresque après le blanchiment. Vous constaterez de vous-même que plusieurs personnages noirs ont été blanchis, mais en plus de cela, les falsificateurs ont aussi ajouté un blanc parmi les trois premiers personnages. Voici la manière par laquelle les Européens s'ajoutent dans l'histoire des Africains. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs fresques dans lesquelles tout d'un coup apparaît un blanc. Sur cette nouvelle fresque, l'image de gauche est l'image originale. Vous pouvez voir deux personnages de couleur noire foncé. Et sur l'image de droite, nous avons la falsification où l'un des personnages noir foncé est devenu blanc et l'autre personnage est devenu jaune. Nous allons donc terminer avec cette fresque où l'image qui est en haut représente la fresque avant le blanchiment. Et comme vous pouvez le voir, nous n'avons que des personnages noirs. Mais l'image qui est en bas correspond à la même image après le blanchiment, où tout d'un coup apparaissent des personnages à peau claire, en plus du petit enfant tout blanc qui tient la main de sa mère noire. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est que nous allons comparer ces deux images. Nous avons l'image de gauche qui représente le type d'image que vous allez retrouver sur Internet, sur les sites de vulgarisation de l'histoire de l'Égypte antique. Et à votre droite, vous avez une photo dans la tombe du pharaon que les Européens appellent Rekhmiré. Laissez-moi vous expliquer ce que ces différentes images représentent. Ici, nous avons les différentes colonies de l'Égypte antique qui viennent rendre leur dû et leur respect au pharaon. Leur dû se feront à travers des cadeaux d'animaux, des objets de valeur, et également les fruits de leur agriculture. Pour mieux comparer ces deux images, nous allons toujours commencer en regardant l'image de gauche et ensuite on va la comparer à l'image de droite. Pour commencer, nous allons observer la première rangée de l'image de gauche. Sur la première rangée de l'image de gauche, nous avons les habitants de la Libye. À cette époque, quand on dit les Libyens, cela veut dire qu'on parle en fait des habitants de l'Afrique du Nord. Donc ici, nous avons de manière générique une représentation des habitants de l'Afrique du Nord qui viennent rendre leur dû et leur hommage au pharaon. Observez la couleur de peau des habitants de l'Afrique du Nord. Ici, sur la première rangée, à notre gauche, nous avons des personnes qui ont une couleur de peau marron. Ensuite, nous avons trois personnes qui ont une couleur de peau noire. Et ensuite, nous avons à notre droite, sur la première rangée, quatre personnes qui ont une couleur de peau intermédiaire entre le marron et le noir. Maintenant, observez la population de la première rangée de la photo de droite. Remarquez que les sept premières personnes qui sont à droite ont toutes une couleur de peau noire. Plus on va vers la gauche, plus on a une population qui a une couleur de peau marron. Si vous observez la première rangée de gauche avec la première rangée de droite, vous remarquez que les couleurs de peau ne sont pas respectées. Maintenant, passons à la deuxième rangée. Dans la deuxième rangée de l'image de gauche, nous avons les populations de la Méditerranée.
Généralement, les égyptologues européens les présentent comme étant les habitants de la Crète ou de la Grèce ancienne. Ce n'est pas exact. Ici, encore une fois, nous avons de manière générique une représentation des populations de la Méditerranée qui viennent rendre leur dû et hommage au pharaon. Sur la photo de gauche, vous allez remarquer que tous les habitants de la Méditerranée, c'est-à-dire tous les habitants de la deuxième rangée, ont tous la même couleur de peau. Par contre, si vous regardez sur la deuxième rangée de la photo de droite, vous allez remarquer qu'il y a des couleurs de peau différentes qui tirent du marron au noir. Comment cela se fait-il que sur la fresque qui se trouve dans la tombe du pharaon Rekhmiré, nous avons dans la deuxième rangée, pour les populations de la Méditerranée, des personnes qui ont des couleurs de peau marron et noir, mais sur la photo de vulgarisation de l'histoire de l'Égypte antique que vous pouvez retrouver sur les sites internet, nous avons dans la deuxième rangée une population qui a une couleur de peau marron uniquement. Où sont passées les personnes qui sont noires? Alors ici, déjà je vous dis, quand on rentre dans une tombe, on ne peut pas mettre de grands faisceaux de lumière sur les fresques de peur que cela ne détruise la peinture. Par contre, après avoir vu la photo moi-même, je peux vous dire que l'image de vulgarisation qui se trouve à gauche ne représente pas les populations qui se trouvent sur la fresque dans la tombe du pharaon Rekhmiré. Maintenant, regardons l'image de gauche et observons les populations de la troisième rangée. Ici, nous avons les populations de l'Afrique centrale. Généralement, les égyptologues européens vous diront que ce sont les habitants de la Nubie qui viennent rendre leur dû et leur respect au pharaon. Ceci n'est pas exact. Ici, plutôt, nous avons de manière générique les populations qui vivent en Afrique centrale. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez la photo de droite et que vous observiez la troisième rangée. Sur la photo de droite, observez que les cinq premières personnes ont une couleur de peau noire. La sixième a une couleur de peau qui a disparu, mais la septième a toujours une couleur de peau noire. Par contre, lorsqu'on regarde sur l'image de gauche, les couleurs de peau ne sont pas respectées. Pourquoi ? Ensuite, sur l'image de gauche, sur la quatrième rangée, nous avons les habitants de l'Asie mineure. Ici, nous remarquons que tous les habitants de l'Asie mineure ont une couleur de peau blanche. C'est très étrange, parce que lorsque nous regardons sur la photo de droite, sur la quatrième rangée, nous remarquons qu'il y a une diversité de couleurs de peau pour les habitants de l'Asie mineure. Observez, sur la photo de droite, la première personne. Sa tête est de couleur blanche. Par contre, ses pieds sont de couleur noire. Pourquoi ? Parce que la couleur noire était la couleur principale. Elle a dégradé avec le temps et la couche de couleur qui se trouvait en dessous est apparue. Par contre, la troisième personne, nous voyons très bien que ses pieds sont noirs, ainsi que la quatrième personne. Et lorsque nous regardons un peu plus loin en arrière, nous voyons que derrière le cheval, nous avons une personne qui est de couleur noire et toutes les personnes qui viennent après ont une couleur de peau noire. Alors, comment cela se fait-il que dans la tombe du pharaon Rekhmiré, quand on représente l'Asie mineure, on représente des populations à la fois blanches et noires, mais lorsqu'on regarde sur l'image de vulgarisation de l'histoire de l'Égypte antique, on nous présente une population d'Asie mineure qui est uniquement de couleur blanche. Ensuite, observons la dernière rangée de l'image de gauche. Devant le kamite qui tient le bâton, nous avons une population de couleur marron. Nous avons d'abord des princes d'Afrique centrale qui ont été capturés et nous avons leurs femmes qui sont en face d'eux, qui marchent avec les enfants. Derrière le kamite qui tient le bâton, nous avons 14 princes qui ont été capturés. Ces 14 princes viennent de l'Asie mineure. Remarquez que tous les 14 princes ont une couleur de peau blanche. Observez derrière le kamite qui tient le bâton, nous avons 14 princes qui ont été capturés. Remarquez que la couleur de peau de ces 14 princes tire du blanc au noir. Cela veut dire qu'il y a une diversité de couleurs en Asie mineure. C'est normal parce que l'Asie mineure à cette époque, qui représente en fait les vestiges des civilisations acadiennes et sumériennes, étaient des civilisations noires. Et à cette époque, il y a eu des populations indo-européennes qui quittaient le tiers-monde, c'est-à-dire l'Asie, pour venir s'installer dans le premier monde, c'est-à-dire l'Afrique. Donc il est normal de retrouver des princes indo-européens dans ces régions d'Asie mineure. Ça veut dire quoi ? Vraisemblablement, ce qu'on peut dire ici est que l'image qui se trouve à notre gauche est une falsification de celle qui se trouve à notre droite. Et comme vous pouvez le remarquer, 90% des colonies de l'Égypte antique étaient habitées par des populations noires et africaines. Il existait des minorités indo-européennes qui y vivaient parce qu'elles avaient quitté
les régions du tiers-monde, l'Asie, pour venir s'installer dans la Silicon Valley, qui était en fait l'Égypte antique. Pourquoi cette falsification? Je vous explique. Les Arabes se sont installés aujourd'hui sur une terre qui n'est pas la leur. Cette terre est Kama. Mais cette terre a une riche histoire. Le gouvernement de la République arabe d'Égypte a créé une histoire parallèle à l'histoire vraie. C'est-à-dire qu'elle essaye de connecter l'histoire de nos ancêtres avec l'histoire des Arabes, ce qui est complètement erroné. Les Arabes ne sont pas les descendants des anciens Égyptiens. Mais en changeant les couleurs de peau, des différents personnages qui sont représentés dans les temples et les tombeaux, en passant du noir au blanc, elle permet aux populations locales de se connecter à une histoire qui n'est pas la leur. Mais cela leur permet aussi de vendre les tickets de bus, vendre les tickets des hôtels, vendre les tickets pour visiter les temples, vendre les tickets pour visiter les musées, vendre les tickets pour visiter les pyramides, vendre tout cela qui permet à l'État de générer un certain profit. Maintenant, je vous pose la question. Vous pouvez laisser vos réponses dans les commentaires. Que devons-nous faire face à cette falsification de l'histoire de l'Afrique noire? Je m'appelle Sidoyen Thomas, du groupe Afrique Suprême sur Facebook. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine.